Bonjour à tous et à toutes, je suis Aloïs et aujourd'hui nous sommes sur la deuxième partie du premier procès de l'épisode 3 de Phoenix Wright 7 Online Justice for All. Et avant de commencer, je vais prendre quelques minutes pour vous parler, tout simplement parce que à l'heure actuelle, nous sommes le 31 octobre, soit le jour d'Halloween. Je devais normalement tourner cet épisode depuis 2-3 jours, sauf que pour une raison qui m'échappe, Deathmoon n'a pas voulu. Il n'arrêtait pas de ralentir, donc du coup, durant les 10 premières minutes environ, voire les 6, enfin entre 5 et 10 minutes, quand je me suis rendu compte que je coupais la vidéo, du coup, je ne réagirai pas, je parlerai pas, il n'y aura rien de nouveau pour moi. Et normalement, je devais vous faire une vidéo sur un jeu qui devait sortir aujourd'hui en version alpha complètement gratuite. Sauf que je ne sais pas pourquoi elle n'est pas sortie. Je ne vous donne pas le nom du jeu, comme parce que sinon tout le monde va y aller, tout le monde va savoir de quoi je vais parler, donc du coup je vais pas le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire cet épisode, quoi qu'il m'en coûte, même si ça rame. Je suis désolé, mais je couperai tout ça au montage et je ferai la vidéo sur le jeu. J'attends juste qu'il sorte et je vais me plaindre sur les développeurs. Sur ce, je vous laisse le procès. Du moins les premières minutes. En espérant ne pas avoir été trop long. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je ne dis rien parce que je sais ce qui va se passer durant les... Au bout de 5-6 minutes, je sors et je ne saurais pas ce qui va se passer parce que c'est là où je me suis arrêté parce que ça a ramé. Simplement. Bon, bien sûr, je ne vais pas contre-interroger ce témoignage. Autobiographique. J'avais oublié ce mot. Voilà. À partir de ce moment, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc je vais recommencer à parler. Des fois pour rien dire. Et d'autres fois pour exprimer ce que je pense. Je me fous de savoir si t'avais sommeil ou pas. Ça par contre c'est suspect. C'est très suspect. C'est très très suspect tout cela.
inattaquable. Oui. Mon sourire maquillé. J'aimerais quand même qu'on me dise si un jour Phoenix Wright a sorti une blague qui a fait rire du monde. Hein. Dans tous les jeux. Même celui qui va... Je vais la refaire. Même celui qui a eu un trailer au TGS 2014. Oui, parce qu'il y aura un nouveau... Phoenix Wright. Le sixième... Oui, j'ai attaqué ça, je l'ai fait exprès parce que c'était étrange. Alors, le sixième de la série, Phoenix Wright, et il s'attendait, mais je dirais le septième, oui, on joue Phoenix Wright, parce qu'il y a aussi Phoenix Wright cross Professeur Layton. Vous savez qui fait que ça ferait? Oui, j'insiste, t'es gentil, t'es mignon. Ça donnerait... Et s'attendait 1, Justice for All, Trial Tribulation, Apollo Justice, Dual Destiny, Miles Edgeworth, Investigation 1 et 2, oui. Ah oui, j'avais oublié le 2 qui n'est pas sorti en France, qui n'est jamais sorti en France d'ailleurs. Le 1, je le ferai, je pense le faire après celui-là, parce que j'ai envie de jouer un autre personnage. Voilà, c'est ça que j'avais entendu. Et ben non, ce sera le 8ème de la série, Ace Attorney. Mais le 9ème si on compte la variation avec Phoenix Wright, Cross, Professeur Layton, blablabla. Bref. C'était mon avis sur je ne sais plus quoi. J'ai oublié. Ouais, modifie ton témoignage. Pendant que je parle de quelque chose qui n'avait rien à voir. Ouais, bon ça d'accord. Ça par contre c'est intriguant. J'ai un doute. Symbole prout. On va partir du deuxième vent, ça s'appelle un bide. Je ne t'apprends rien. Seulement ce que tu as vu. As-tu vu l'arme du crime alors? Tu te fous de moi? C'est pas drôle. Il n'y a pas d'objection qui tient. Je ne le harcèle pas. Non. C'est facile. Bien sûr que oui. Oh, je vais te la partager. Tout simplement parce que son témoignage est lui-même un mensonge. Vous n'avez rien entendu.
Voilà. Sauf sous serment et devant nous. Ah ah. Saram, je suis désolé. Je tournerai cet épisode même si je suis obligé de faire plusieurs cuts. À peu près. Ah, Van Karma, je te hais. Non, tais-toi avec tes synonymes à la... Compris. Comme du... Je vais pas savoir ce que tu as essayé de dire. J'en doute. En effet. Oh, c'est méchant ça. Et ça re... Ah non. Cependant, ça devrait aller mieux ainsi. Je vais attaquer tout ce qu'il dit. Non, reviens, fais pas ta... Quel piège! T'as pas oublié quelque chose? J'en doute.
Je suis désolé si ça rame. J'en suis navré, vraiment. Mais je ne m'explique pas. J'espère que ce sera seulement sur cette affaire. Bon, toi, tu mens déjà, hein? Objection! Tu as oublié les roses. Voilà. Voilà, déjà. Oui. Et ça recommence. J'en doute. Ça c'était pi par contre. Je ne sais pas combien de décimales il a dit, mais il y avait pas mal de trucs vrais. Alors là. Alors là je. Tu ralentis sur la musique. Mais j'arrête direct. Ah oui. Arrêtez d'objecter. C'est impossible. Dans ton cul, salope. En fait, plus j'y pense, et je me dis que ça doit être à cause de Camtasia que ça rame. Souvenez-vous que lui, il l'a dit. Il était impossible de le manquer. Et il a notifié au moins 4 fois. D'ailleurs. Hein. Comment peut-on se tromper? Osez me le dire. N'oubliez pas les roses. Il n'y a pas de fait de shame qui tient. Il réfléchit. Ah, elle est drôle. Oui, c'est un terme dans le langage... Je ne sais pas quel langage. Dans le langage des gens qui boivent du vin. Ah. Ok, ça marche. Je sais, me stresse pas. C'est assez pour moi. Il s'est piégé. À moi, le GG. Objection! Il s'enfonce. J'ai gagné. Dis-le-moi, s'il te plaît. Gagné! Perspicace, dis donc! L'unique vérité. Oh mon dieu, il parle avec des majuscules! Et ça rame! Allez, on est presque à la fin. Arrête de ramer, s'il te plaît.
T'as fini? Tout le monde s'en fout de ta vie! C'est un mensonge! Quoi? Il a quitté les lieux? Quelque chose ne va pas. Vas-y, dis-le moi. Il a... Vas-y. Objection. Pas du tout, je lui pose une question sensée. C'est important pour l'enquête. Et Sarah. Pensez à faire du montage à couper. Oui, laissons-le. Il s'enfonce encore plus. Allons. Ça. Allez, dites-moi ce que vous voyez. Ça alors. Mais comment se fait-ce? Vas-y, dis-nous, Frisé. Y'a pas de hold it! Non, je veux pas la savoir. Je veux pas le savoir, je veux pas t'écouter, nom de Dieu! Comment? Qu'entends-je? C'est-à-dire? Tu te fous de moi? Encore? La vérité. Moi, bien sûr. Bon, qui croit ce témoignage? Honnêtement, donnez-moi une réponse. Oui. Tout le monde s'en fout d'ailleurs. On va bientôt se réveiller. Oh là.
perso, je m'en fous, j'en ai marre. Oui. Oh, 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 c'est méchant. Ça va être dur, en fait. Génial. Génial. Ça alors, je m'en serais douté. À suivre. J'aimerais juste savoir pourquoi le jeu rame aujourd'hui. C'est tout ce que je demande. C'est bizarre parce que sur les autres épisodes, il buguait, il ralentissait pas. Et c'est sur cette enquête précisément qu'il s'est mis à ramer. Donc je pense que ça doit être seulement sur cette enquête. Je l'espère, personnellement. Je l'espère vraiment que c'est seulement là-dessus. Bien, ben, j'espère quand même que malgré les quelques cuts que j'ai pu faire à cause des lags, ça vous a plu. Si c'est le cas, eh ben déjà, j'en suis désolé. Et que vous avez des goûts bizarres, d'ailleurs. Regardez YouTube, pouf, ton Dieu. Cependant, je vais trouver une solution de façon à ce que ça ne se reproduise plus. Et puis si vous voulez la suite, n'oubliez pas comme d'habitude le blabla habituel, les likes, les commentaires, l'abonnement YouTube, le Twitter, etc. Bon jeu, et à la prochaine !